Voilà, aujourd'hui je vais faire des crêpes de plantain. J'ai un plantain mûr. Ici, j'ai 3-4 tasses de farine. Et j'ai un œuf. Et ici, j'ai 2 grosses cuillerées de cassonade ou du sucre brun. Et puis ici, j'ai du sel, de la muscade, de la cannelle et du gingembre. Et ici, j'ai 2 cuillerées de beurre fondu. Et puis ensuite, j'ai une tasse de lait. Un instant. J'ai une tasse de lait. Je vais tout mélanger dans le blender et on y va. Dans le mélangeur, j'ai mis les plantains, j'ai mis un œuf, j'ai mis la farine et je vais mettre un peu de lait ici. Oh, je vais le mettre au complet. Et ici, je vais mettre les épices douces et je vais mettre le sucre et le beurre fondu, je vais mettre à la fin. On va mélanger tout ça. Regardez la texture, peut-être il faudrait que je mette d'autres. Oh, je vais ajouter 2 cuillerées de farine encore. Je sais pas là. Ouais, je vais ajouter 2 cuillerées de farine. Encore. On y va pour une grosse cuillerée. Allons-y. Bon, ensuite, je vais ajouter le beurre fondu ici. Voilà, je vais ajouter une demi-cuillerée à thé de bicarbonate. Un autre petit coup. Bon, voilà ma pâte de crêpe de plantain. Là, je vais le laisser reposer pendant 25 à 30 minutes. Voilà, j'ai commencé les crêpes. Et le temps, 25 minutes sont écoulées. Et maintenant, avant, j'ai graissé la poêle. J'ai baissé le feu un peu. Et là, je commence à faire les crêpes. Crêpes de plantain. Mais le plantain, il faut qu'il soit mûr. Pas le plantain vert. Voilà la deuxième. Et c'est ça. Si vous voulez, quand vous voyez que la pâte est épaisse, vous pouvez mettre un peu de lait. Mais moi, ça va comme ça. Voilà, les crêpes sont terminées et je vous dis à la prochaine. N'oublie pas de vous abonner et d'aimer la vidéo et de partager. Merci beaucoup.